Yo, salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, on est dans les bouchons et on va parler de bouchons, du pourquoi. Est-ce qu'il faut ralentir à l'approche d'un bouchon? Peut-être que vous l'avez déjà vu, à Toulouse, on l'affiche régulièrement sur les panneaux. Attention, ralentir, bouchon. La vraie raison, ce n'est pas comme je l'ai entendu ce matin, c'est pour éviter de se prendre la voiture qu'il y a devant. Non, ça, les gens, ça va encore conduire et quand ils voient que les feux stop sont allumés et qu'une voiture est à l'arrêt devant, ben, ça veut nécessairement dire qu'il faut ralentir. Non, la raison est un petit peu plus scientifique, mathématique et physique en l'occurrence. Il faut voir votre bouchon comme un gros rectangle en plein milieu de votre route, c'est-à-dire que réellement c'est un bouchon. La route a une capacité maximale d'absorption du trafic. Vous ne pouvez pas avoir plus de voitures que la route peut en transporter, c'est logique, c'est comme un gros tuyau de flotte. Vous ne pouvez pas faire passer plus d'eau, vous ne pouvez pas augmenter la pression, c'est pareil, comme le liquide, les voitures sont incompressibles, on évite de les faire se rentrer dedans pour en faire passer plus sur la route. Le problème là, c'est que quand vous avez un bouchon au milieu de votre route, il y a plus loin après votre bouchon, devant le bouchon, les voitures vont repartir. Quand le bouchon se fluidifie, après une sortie, comme c'est le cas devant, en fait, là, on est dans un bouchon parce qu'il y a un échangeur, etc., et que les gens ne savent pas prendre des échangeurs. Donc, le trafic va se fluidifier après l'échangeur. Mais le trafic se fluidifie après l'échangeur à un certain rythme. Il y a la vitesse d'accélération de chaque véhicule, il y a le fait qu'il y a peut-être des intelligents qui vont essayer de changer de voie, etc. Il y a plusieurs variables. On va considérer uniquement la vitesse d'accélération du véhicule. Le véhicule va passer de 0 ou 15 km/h comme actuellement à 90 km/h progressivement. La personne ne va pas accélérer comme un tabanard en sortant de bouchon. Et c'est là qu'est le problème, entre guillemets. Parce que quand vous arrivez sur votre bouchon, vous faites un 90 à 10 km/h très rapidement puisque vous freinez en 500 mètres, vous allez ralentir, oh merde, il y a un bouchon encore, et vous freinez fort. C'est pour ça qu'on vous met le panneau, attention bouchon, ralentir, parce que si vous ralentissez à, mettons, 70 km/h, plusieurs kilomètres avant le bouchon, le trafic se ralentit, vous n'arrivez plus sur le bouchon à la même vitesse et il a le temps de se résorber par l'avant puisque toutes les personnes vont réaccélérer progressivement, etc. et le bouchon dégage. C'est pour ça qu'on vous dit de ralentir à l'approche d'un bouchon, tout simplement pour éviter de congestionner encore plus le bouchon, de faire arriver plus de voitures que le bouchon en fait partir sur l'avant du bouchon. Voilà, et en dehors de tout ça, petit rappel simple, évident, etc. Évitez de changer de fil tout le temps, respectez les limitations, c'est les causes principales des bouchons, c'est les gens qui roulent trop vite. Parce que plus vous roulez vite, plus ça crée des bouchons, c'est beau. C'est-à-dire que plus vous roulez vite, plus vous avez de chances d'arriver, plus le différentiel de vitesse entre vous et la voiture qu'il y a devant ou la voiture qu'il y a derrière est important, plus ce différentiel est important, plus il y a de chances que l'un des trois, la voiture de devant, vous ou celle de derrière, freine à un moment. Du coup, ça renvoie un signal derrière en disant « Oh mon Dieu, il a freiné !» La personne freine un peu plus fort, puis un peu plus fort, puis un peu plus fort. Et quelques kilomètres plus tard, c'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Et quelques kilomètres plus tard, boum, ça déclenche un gros bouchon. Et ça, c'est juste trop con. Donc, essayez de garder des vitesses stables, fluides. Si c'est 90, roule à 90. Ne collez pas les gens, respectez les distances de sécurité. C'est tout aussi important. Quand je vois devant moi là, les gens qui se collent au cul les uns les autres, les mecs qui changent de fil pour ensuite revenir, t'es dans le bouchon, voilà, tu t'adaptes, à moins qu'il y ait une fille qui aille beaucoup plus vite ou que tu sois pas sur la bonne voie par exemple, mais t'es dans le bouchon, tu roules gentiment, etc. Et avant le bouchon, surtout, pour prévenir ça, évitez de rouler comme des tabanards, évitez de changer de voie comme des cons, parce que pareil, si vous changez de voie comme un imbécile, la personne devant qui vous déboîtez, oh mon Dieu, il m'a fait une queue de poisson, elle va freiner, et du coup, c'est pareil, derrière, effet papillon à nouveau, et ça va ralentir un petit peu tout le monde. Et ça, c'est très 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 important de le retenir. Je vous fais des bisous doux et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.